Oui, donc de retour sur ma chaîne, désolé, encore problème de mémoire. Donc on reprenait, donc je continue là où j'en étais, donc je vous laisse regarder cette lampe qui est énorme, massive, magnifique. Ici sur chaque lampe phénix, vous voyez ce petit signe donc, qui montre que ça peut devenir chaud, je pense que ça sert à ça. Et donc voilà, regardez, c'est. Pardon. Regardez, moi cette tête, mais vraiment immense quoi. Elle est. Franchement, c'est agréable à regarder, c'est agréable pour les yeux vraiment. Ici, là, vous voyez vraiment, on peut vraiment. C'est vraiment un bon grip, même quand il pleut, hein, c'est super. Et voilà, ça c'est la lampe. Et là, Pile Dragon, génial aussi. Donc, ici, avec les piles rechargeables, on va observer, regardez, premier mode, deuxième mode. Troisième mode et là, quatrième mode. Vraiment le mode très 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 puissant. Là on se rend pas compte. Je sais pas si on va l'attendre, je vais vous le mettre. Je vais le mettre à côté du son. On entend que la lampe fait du bruit un tout petit peu. Pour vraiment qu'elle est à fond quoi. Donc ça, voilà. Ensuite, quand vous appuyez deux fois donc sur le bouton marche, ici. Pas sur le bouton de changement de mode, hein, le bouton marche. Deux fois. Voilà, un petit problème. D'accord, faut le faire quand c'était allumé. Donc là, vous avez le mode SES. Donc qui est assez lent, hein, par contre. Hein. Il est pas très très puissant, il est assez lent. Et ensuite, vous avez le mode stroboscopique qui fait très 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 mal aux yeux. Là, je regarde même pas, hein. Je regarde pas parce que ça fait super mal aux yeux. Je sais pas si on va le voir sur la caméra, mais ça fait très mal aux yeux. Et donc voilà, et quand vous repassez là sur switcher le mode, vous repassez au SES. Et ensuite, voilà, vous pouvez l'éteindre. Bon, vraiment, voilà. La TK70. Je la recommande, elle est chère, mais franchement, ça vaut largement le coup, quoi. Pour des gens, même, je sais pas, qui partent en montagne ou quoi, franchement, c'est la lampe à avoir, quoi. C'est magnifique. Même pour les forces de police ou quoi, pour des gens qui protègent des bâtiments et qui doivent avoir des lampes torches sur eux, elle est super bien. Elle a l'air super résistante pour, en cas de matraque ou quoi. Une tête, mais massive. Franchement, magnifique. Rapidement, je vais finir par vous montrer les puissances des lampes. Je vais éteindre la lumière, je vais prendre la première lampe, la Phoenix LD12. Bon, j'éteins la lumière, et voilà. Donc, premier mode, donc le tout premier mode de 3 lumens, donc vous voyez c'est quand même déjà pas mal, hein. On peut éclairer, là vous voyez des étagères, etc. Donc c'est pas mal. Excusez-moi pour la qualité, mais quand il n'y a pas de lumière, ça, la qualité n'est pas géniale. Donc voilà, deuxième mode, qui est déjà pas mal aussi, hein, vous voyez. J'arrive même pas à voir la taille du faisceau. Donc c'est pas mal, hein. Troisième mode. Et voilà, le quatrième mode le plus puissant. Là, vous voyez, on voit vraiment tout ce qu'on veut, quoi. C'est ouais, la machine, etc. Donc voilà, ça c'est le mode le plus puissant. Ensuite, quand vous restez appuyé, il y a le mode stroboscopique. Si vous restez encore appuyé un peu plus longtemps, le mode SOS qui apparaît. Voilà, banal, hein. D'accord? Voilà, je repasse au plus petit mode pour voir après la différence. Et voilà, et donc quand on passe les 4 modes, ça fait. Voilà. D'accord? Voilà. Ensuite, la LD22. Donc là, toujours 3 lumens. Hein. Donc ça change pas de la première. Deuxième mode, il est un peu plus puissant que la LD12. Troisième mode, qui est pas mal aussi. Et là, le quatrième mode. Voilà, on voit quand même une bonne puissance sur celle-là. La portée, elle est à peu près, hein, à peu près, je dirais, de 100 mètres quand vous êtes dehors. Moi j'ai essayé sur des chemins, c'est ouais, c'est à peu près ça, hein. Vraiment vous éclairez des arbres assez loin, etc. Je vous ferai tout à l'heure, s'il s'arrête de pleuvoir, je vous ferai les petites démos. Voilà, donc toujours pareil, hein, mode stroboscopique qui fait mal aux yeux. Et le mode SOS. Donc à peu près, gardez la puissance de celle-là, donc 200 lumens à peu près, regardez, d'accord? Souvenez-vous. Je vous passe la TK70 pour vous montrer. Donc là, j'espère que ça va pas vous faire trop mal aux yeux. Donc ça, c'est le tout premier mode, imaginez-vous. Donc c'est déjà pas mal du tout. J'ai essayé, c'est à peu près le troisième mode des deux autres lampes. Deuxième mode, pardon, qui est super puissant déjà. Il doit, donc je vous ai dit, il doit faire dans les 100 et quelques lumens. Troisième mode qui est super puissant. Et là, le quatrième mode que vous avez que qu'avec des piles rechargeables.
2200 lumens. Et celui-là, je vous dis, fait vraiment mal aux yeux. Là, on voit peut-être pas, mais ça fait vraiment mal aux yeux. Vous voyez, hein, quand j'éclaire le haut, ça éclaire carrément toute la pièce. Voilà. Voilà. Et donc, quand j'appuie deux fois, le mode SOS et le mode stroboscopique qui défonce les yeux. Vraiment. Voilà. Mode SOS. Donc, premier, deuxième, troisième et quatrième. Ouais, c'est vraiment super quoi. Voilà. Génial. Franchement, ces lampes de Phoenix, elles sont parfaites. Donc voilà. Je vais rapidement finir. Désolé si la vidéo se fait longue. Donc je vais finir donc sur ces trois petites lampes. Hein. Donc qui sont la Phoenix LD12 qui est livrée avec sa petite pochette qui est, ma foi, vraiment bien. Donc le clip ceinture qui est assez épais quand même. Hein, on remarquera une bonne ceinture. J'ai une bonne ceinture assez épaisse et assez large. Elle passe vraiment bien. Hein. Après, vous avez ce petit mode là, ce petit truc. Je sais pas à quoi ça sert. C'est peut-être pour accrocher aux clés, mais bon, ça me paraît un peu gros. Vous avez celle de la LD22. Donc on voit bien hein, la différence de taille. Donc pareil, hein, le clip ceinture avec la marque Phoenix et le petit bout là qui sort. Et pour celle-là, non, il n'y a rien, il y a juste, donc je vous ai dit, la dragonne et la sangle pour accrocher. Et bien sûr, les deux autres petites, hein. Il y a ce petit sac avec la petite dragonne et on voit un peu les deux joints. Et donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Et surtout, restez vous-même. Salut!